C'est un travail original que viennent de réaliser les élèves de seconde bac pro en communication visuelle et arts plurimédia de Sainte-Ursule. Pendant 4 semaines, ils ont mené à bien un projet autour de la presse. Chaque matière a été mise à contribution, que ce soit à travers les articles ou bien la mise en page. Un travail qui a passionné ces élèves, qui se sont donc beaucoup investis dans ce projet. Nous avons eu un mois pour préparer une une de journal sur la presse. Donc on a eu le droit à des visites. On a eu Alain Girard, qui est un collectionneur de caricatures, qui est venu. Et on a eu aussi la visite d'un journaliste de Ouest-France. Et on a aussi eu la chance d'aller visiter l'entreprise Ouest-France de Rennes. Donc grâce à ça, on a pu réaliser avec nos professeurs des articles sur le recyclage du papier, sur Ouest-France et Alain Girard. Travail passionnant et qui a permis aux élèves de pénétrer un peu plus ce milieu de la presse qui les fascine. Ça a vraiment été enrichissant pour nous. D'une part, aller visiter Ouest-France, je pense que ce n'est pas donné à tout le monde. On s'est vraiment rendu compte de l'envers de notre formation, car derrière tout ça, c'est vraiment ce qu'on avait envie de faire nous. Donc ça nous projette vraiment dans notre métier pour plus tard. Et ça nous a vraiment été bénéfique de faire ce projet sur la presse. Et parmi les difficultés rencontrées, celle de la rédaction d'un article. Faire attention à chacune des fautes, on s'est fait corriger énormément de fois par nos professeurs. Enfin, c'était intéressant aussi parce que nos erreurs, ça nous a fait apprendre beaucoup de choses et je pense que c'est important. Ça vous donne toujours envie de travailler dans les médias? Oui, vraiment. Ouais. Ça nous a encore plus parce que là, justement, sur la presse, un projet concret, je trouve que c'était vraiment enrichissant pour nous. Des futurs journalistes, peut-être, qui rêvent tous du précieux sésame, la carte de presse.